Et lui les gens, bienvenue sur frappstesjeux.fr ou sur mon blog dissent3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Overlord 2, donc sur PC. C'est parti pour un tour. Nous sommes toujours dans la zone des elfes, il faut essayer de déplacer, réouvrir, enfin déplacer des piliers, je sais pas quoi, réouvrir une grande porte. Le mec est complètement perdu, qui est complètement paumé, qui sait plus de quoi il parle. Alors, dit trésor, je crois qu'on a éclaté plein de pamplemousses ou je sais pas quoi. Revenez, 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 il y a du poison, il y a du poison. Il y a du poison. Revenez, revenez avant de crever. Mais ils sont bourrés. J'aurais pas dû faire ça. J'en ai perdu un ou deux parce qu'ils étaient bourrés. De les faire tomber. Je peux viser personne, là, on m'explique. Ils sont morts en tombant? Ok. Non, pas la bibine. On touche pas la bibine, on l'a dit. Pas à toucher. On explose ça. J'aimerais bien voir les autres qui sont en face. Mais comment je peux... Ah si, y a un passage, c'est bon, il y a un passage. Oui, mais justement, j'avais besoin qu'ils reviennent vite, là. Il y a un passage ici, je ne l'avais point vu. Qu'est-ce qu'ils foutent, là? Ça les a tués ou pas? Ouais, ça les tue. C'est bon. C'est bon, c'est bon, ça les a tués à première vue. Donc pour ça, on est tranquille. J'ai réussi à passer ce passage-là. Trésor, ramenez-moi mon trésor, s'il vous plaît, merci. C'est mon trésor. Oui, mais c'est notre yop. Toi, tu meurs. Rien ne vaut un bon feu de joie. Aïe des véganes. Tant d'amour entre nous. Ça c'est bon. Là on pille. Parce qu'on le voit bien. Ah de la santé, merci. Ah regardez-moi ces larbins tout mignons. Je rêve, il y a un truc par ici qui en fait réapparaître à l'infini ou quoi. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde quand même. Mais oui, c'est ça, il y a des machins qui en font réapparaître à l'infini, c'est pour ça. Je n'ai plus que 6 larbins comme ça, ok. Je sens que ce passage va être galère. Vous là. Hop là. Pareil, j'ai perdu énormément de rouge. Récupérez les ressources, s'il vous plaît. J'en ai perdu tellement là. On va éliminer la source de d'elfes. Voilà, comme ça au moins ils ne repopperont plus. Par contre, voilà, merci. Et là encore. Voilà, cassez-moi tout ça, s'il vous plaît.
Et maintenant, on les fait souffrir. Ils m'ont tué des rouges encore, c'est pas juste. Il reste toi là, hein. Petit tricheur. Est-ce que j'ai eu tout le monde cette fois-ci? Normalement, ça devrait aller mieux. Ça devrait aller mieux. C'est bon, vous venez le déposer. Parfait. Merci, pardon. Voilà! Et la porte put se réouvrir. Vous avez réussi, grand maître. Oui. La porte s'ouvre. Parfait, ça me va, ça. Rentrons au moyen... dans le monde des elfes. On va voir ce qui nous attend un petit peu. Bon, là, par contre, dans ce type d'environnement, ça sent un peu plus que le jeu n'est pas tout récent. Mais c'est pas flagrant non plus, hein, je trouve. Ça reste propre. Bousillez-moi tous ces fruits. Hein. Quelle idée, quoi, des fruits. Ça se fait pas, ça. Autant il y a des fois où je trouve le jeu vraiment très joli, autant il y a d'autres fois où j'ai un peu plus de mal, mais... En général, c'est quand même vachement classe. Attends, il y a plein de trucs à péter ici. Voilà. Allons casser de l'elfe. Avec plaisir, camarade. Dès que mon personnage aura réussi à rentrer au pays... Il manque combien là? C'est bon? Ouh, la musique qui change. C'est que je regarde aussi si c'est enregistré, c'est lancé. Non mais elle est longue la mission, elle est pas forcément ultra pratique je trouve celle-ci. C'est pas grave, je me répète tout le temps aussi. De quoi? Il faudrait que je puisse en forger une nouvelle pour changer d'arme en fait. Là j'avais que celle-ci et un autre truc je crois. Maintenant, direction claire éternelle, extermination des elfes. Oui, mon seigneur. Ah non, pardon, c'est moi le seigneur. Encore du travail. J'ai l'impression que la mer elle s'arrête ici en fait. Comme si ça allait pas plus loin. J'ai peur. Il y a un truc qui va tomber. J'ai froid. Je vole, Jack! Tu coules! Par contre, on dirait vraiment une cinématique, ça. Hein. On a l'impression que le graphisme est moins propre. Claire éternelle est l'endroit où les elfes se rendent lorsqu'ils sont fatigués du monde. Elle est censée être une île paradisiaque où les elfes méditent et s'unissent spirituellement avec la nature. On dirait que l'Empire est arrivé le premier. Ah oui, Claire éternelle est pourvue d'exemples somptueux et magnifiques de la splendeur naturelle. Faut pas le distraire, Biscornu. Maître ! Maître ! On a coulé le bateau ! Là, en l'occurrence, c'était les Romaines, hein. Une amélioration de forge, nickel. Faudra juste de me rater. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un cocon dans lequel il y a un mélarbin, d'accord. Touchez pas, mélarbin! Bonne idée, ça, de nous faire piquer par des bestiaires. Attends. Ramène-moi ça, s'il te plaît. Je sais pas ce que c'est. Ah, du verre pour le poison. Du pognon. J'aime le pognon. Algar, pognon. Non, rien à prendre ici. Non mais oh!
Laissez Stoso tranquille, s'il vous plaît. Là, on pète. Là aussi. C'est ça. Mais... j'avais presque envie de réessayer de faire du... comment ça s'appelle? Du... un John Keeper. Vu que j'ai pas encore réussi à faire fonctionner Black and White. Je me dis que ça peut toujours valoir le coup d'essayer. Enfin, j'ai pas encore eu le temps de me pencher là-dessus, quoi. En même temps, il y a tellement de choses à faire. Bonjour. Casse-moi ça, s'il te plaît. Ça m'arrange. Il n'y a rien à récupérer. Oh, il y en a un autre ici, il y en a un autre ici. Collègue, viens là. Bravo, vous avez désormais deux larbins. C'est le début de la gloire. C'est tout ce qu'il y a comme trésor là-dedans. Sérieux? On a vu mieux quand même, hein. Là, il y a de l'eau. Est-ce qu'on peut aller en face, hein, les bleus? Pardon. Oui, Nemesis, c'est ça. Mais j'ai loin en CD, là, le CD dans l'ordi, mais j'arrive pas à faire fonctionner le jeu pour l'instant. Il ne se lance pas. Donc il faut que je trouve une solution pour qu'il se lance sur Windows 10. On va voir. On verra. Droite, gauche, droite, gauche. On va d'abord aller par là. Est-ce qu'il reste des araignées ou pas? J'ai 3 larbins. Bientôt 4. Wow. Il y en a encore plein. Ah, c'est encore quand même pour les trésors à ramasser. Je sais pas s'il a pris lui. De quoi? Ah non, c'est que je rate les messages, je pense. Non, non. Avant que je fasse vraiment la tête à quelqu'un. Non, si je réponds pas, c'est juste que je vous ai pas vu encore. Faut réinsister, c'est tout. Pardon, seigneur, nous avions perdu votre signal. Content de voir que vous n'êtes pas mort. Dirigez-vous vers l'installation de Crasseux. J'ai cru que vous vous étiez laissé distraire par les beautés de la nature locale. J'ai entendu ça. D'après les rumeurs du puits de création, l'Empire ne s'est pas emparé de tout clair éternel. Apparemment, il reste des elfes dans la jungle. Ok, c'est ça qui lâche des bestioles, non? Si j'ai un doute, peut-être pas. Peut-être qu'elle devait juste arriver là, les araignées, c'est tout, je sais pas. Y a pas de choses à récupérer là? Ça se récupère. Et c'est tout, ok. Ils sont déjà à fond pour le reste. C'est bien possible, oui. Ben ouais. Sexto. Ouais, je devrais mettre un message, en fait, un truc qui passe régulièrement. Genre qui poste toutes les 10 minutes. Si je n'ai pas répondu à votre message, je vous ai pas dit bonjour, c'est que je ne suis pas, tout simplement, pas effectif. Disponible. J'ai pas raté, je parle n'importe comment. On va le faire, ça, d'ailleurs. Je vais même essayer de le faire dès maintenant. Y a rien de plus à prendre, là? Non? Ah, trésor. C'est pour ça que je voulais que les voix soient au maximum. À méditer, c'est ça. On va essayer de regarder s'il y a un lien de cause à effet de l'un à l'autre. Je n'ai que 6 petites bestioles, là. J'en veux plus. Et maintenant, on a des elfes. Super.
On va faire les timers. Non, pas dans l'eau, pas dans l'eau, pas dans l'eau, pas dans l'eau. Ramenez-moi de la vie si vous voulez, mais allez pas dans l'eau s'il vous plaît. C'est bon, ils ont besoin de rien là? Non. Ils ont déjà les armes les plus puissantes, c'est ok. Là, c'est quelque chose, il y a un coffre. Bien sûr qu'il y a quelque chose. Non, pas trop dans l'eau, pas trop dans l'eau. Le pognon, tout ce que je veux, le pognon. Tout ira bien. Il reste du pognon là, les gars, il reste du pognon. Ils se noieraient pour moi, si c'est pas beau ça. Ça arrive souvent, c'est les Mésis. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pareil pour les séries, les films ou autre genre de choses dans ce style. C'est-à-dire que à chaque fois, je me pose la question, je dis, mais attends, tu l'as vu en français ou en VostFR ce film? Je m'en rappelle plus. Bien joué, maître. Là, je crois qu'on va pas se mentir, je préfère la brune. On a du caractère et dans nos artères. Bon, faites-moi le ménage. Ces femmes sont la quintessence de la beauté elfique. Elles se forcent à manger pour ressembler à leur déesse mère. Elles ont de sacrés arguments à faire valoir. Elles Mon Dieu. Semblent avoir un rapport avec les portes des ruines. Attends, 30 secondes. C'est rigolo qu'ils aient traité le principe des elfes comme ça. Ils se tapent de ce délire quand même. Attendez, on casse tout ça d'abord. Voilà. Je peux rien faire avec toi là? Je suis pas censé te tuer? Ils adorent faire des personnages dans ce style là dans le jeu, j'ai l'impression. On casse toutes ces choses là. Voilà. On va avancer vers la porte. Quoi qu'il y ait l'étoile d'araignée de ce côté-ci, je ne sais pas. Allez, tout le monde à la maison s'il vous plaît. Non, là je peux pas passer. Donc comment puis-je la voir elle? J'espère qu'ils vont tuer personne. Oh, tu as une petite araignée qui traîne. C'est bon, on les a eus. N'oublie pas qu'il y en a un qui est mort. Non. 7, c'est bon. Ils sont toujours vivants, tout va bien. Tout va bien. Ma petite dame, bonjour. Détournez vos yeux de ma beauté. Avec plaisir. Dérangez pas le festin. Je pense qu'il n'y en a aucun qui est mort, c'est au moins ça l'avantage. C'est bon, toi t'es mouru? Ok, nickel, il y en a un autre qui arrive. Touchez pas au mien. C'est mes larbins. Pas touché. Non, il voulait sauter, d'accord. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est fait. Y'a rien à récupérer ici? Non. On va récupérer la suivante là. Mon corps et mon temps. La déesse mère me protège. Vous interrompez le repas. Non, mais à chaque fois je me trompe de touche. Laissez-moi mes êtres vivants. Ça c'est bon, c'est fait. Est-ce qu'il reste encore des bestioles? Non, c'est bon. Détournez vos yeux de ma beauté.
pense que je peux l'avoir là. Oui, c'est bon. De toute façon, j'avais plus de magie, je vois pas plus la descendre plus, alors... C'est bon? La porte est ouverte? La porte est ouverte, on l'a eu. Rien de très important. J'ai eu le temps d'en voir une, du coup, aujourd'hui. Enfin, j'ai eu le temps. J'ai pris le temps. Parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, j'arrivais plus à travailler, donc... comme je dis, quand j'ai regardé ta vidéo... je ne faisais plus rien de bon. Donc je me suis dit, ça sert à rien. Arrête-toi un peu. Fais autre chose. Et j'ai mis longtemps à trouver autre chose à faire. Et ben voilà, on y est. Retrouvons nos camarades. Voilà, on se sent mieux tout de suite là, non? Vous ne passerez pas ces barrières de poison avec des larbins normaux. Il vous faut des vers. Ils adorent la jungle, particulièrement quand la végétation est bien putréfiée et la puanteur intolérable. Enfoncez-vous dans la jungle, aïe, seigneur, et tentez de les débusquer. Big Mama. Je tente désespérément de m'enrouler le plus possible dans le plaid, parce que vraiment, il caille. À la base, je suis pas frileux, mais... Ouh. Là, il fait vraiment pas chaud. Non, il y a encore du poison. On évite donc de passer ici pour l'instant. Ouh, ça, ça me plaît, ça. Tiens, c'est quoi ça? Alors ramenez-moi ça là-bas, s'il vous plaît. Pour l'instant, là, on bousille ça. Je sais pas si en revenant à la tour, ça me fait planter le pas le jeu, mais... ça me fait planter la quête ou pas. C'est une pierre de forge, seigneur. Rognon sera curieux de voir ce qu'elle débloque. On est où, là, exactement? Radna... Porte de récif de clarinette 2. On va retourner à la tour pour voir. Mais j'en ai déjà un plaid, regarde. En plus, il m'a été offert par Alice, celui-ci. Les mitaines et ça, ça... Enfin, les plaids ont été offerts par Alice. Putain, j'ai cru que c'était des gens. De là où j'étais. Ça, là. Et que c'était des silhouettes de lave, de personnages. Bon, est-ce qu'il y a des choses que je peux acheter du coup? On va peut-être descendre au... à la forge, sauf que je sais plus où est-ce qu'elle est. Bon, on va essayer tous les côtés, on verra bien. Mais je pense que là, c'est la fatigue, surtout, qui fait que j'ai froid, à ce point-là. Et ben voilà, les forges. Ouvrir armurerie, seigneur. Oui, mais non, pas tout de suite. Forge. Ah, j'ai pas assez de larbin rouge. Bien stocké, armurerie, maître. Vous jamais savoir quoi taper. Il coûte tellement cher. Ce homme protège votre maléfique boîte crânienne et tout. Vous choisir ce que Rognon va forger, maître. En fait, j'ai très peu de pognon. Continuez à ramasser pierres de forge, maître, pour que Rognon forge. Ça coûte super cher. On va revenir plus tard, je pense. Hein. Parce que là, j'avais un équivalent au broyeur. Pour l'Overlord, oui, oui. Forger avec l'entraîne dragon, malchance, cette épée est rapide et dotée d'un bonus de feu. Ça aurait été cool, mais j'ai pas assez de... Bien stocké armurerie, maître. Faut jamais savoir quoi taper. Ça, c'est quoi, déjà? Est-ce que j'ai ramassé éventuellement d'autres... Ouais, j'ai vraiment que ça, hein, pour l'instant.
Au pire, je pourrais essayer de me faire le nouveau homme. Ça, c'est quoi? Améliorer votre tour à... Ça coûte cher quand même, hein. Vos bras plus forts maintenant, maître. On fera plus de dégâts, peut-être. Maître. Mais oui, mais hier, je me suis reposé. En général, être fatigué, c'est crevant, ouais. Non mais là je sais pas, j'ai un coup de mou en ce moment. Je suis ralenti dans tout ce que je fais. Alors peut-être aussi parce que je suis en train de relâcher la pression petit à petit parce que je vois que j'arrive à rattraper le retard, alors t'as de la fatigue qui retombe d'un coup. Puisqu'il y a moins de stress quand même, un tout petit peu moins, donc du coup je suis peut-être... Nous étions très tristes de quitter l'ancienne tour, seigneur, mais il nous fallait un... Je pense que c'est le fait de ralentir un petit peu qui... Non mais y a pas plus têtu que moi. Jungle de clair éternel. Apparition d'une mystérieuse dame. Commencez à maîtriser les techniques d'Overlord, seigneur. 7 sur 10. Eh mais je les ai pas tous trouvés là. Non mais oh, mon équipage manquant. C'est honteux. Honteux. Où est-ce qu'ils sont les autres? Bon, je tombe bien ici. Vous ne passerez pas ces barrières de poison avec des larbins normaux. Il vous faut des vers. Ils adorent la jungle, particulièrement quand la végétation est bien putréfiée et la puanteur intolérable. Enfoncez-vous dans la jungle, seigneur, et tentez de les débusquer. Il y en a combien là? 8, 10, hop là. Moi je dis que ça demande vérification. Hein. Parce que pour l'instant, en plus têtu, il y avait BG et moi. Hein. Ah, ça passe mieux si une fille qui le dit. C'est vrai qu'en général, c'est le plus efficace pour ce genre de choses. Non, mais je fais attention quand même. Hein. C'est aussi pour ça, hier, j'ai pas fait live. Justement parce que j'ai bien vu que ça servait à rien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? Faut pas déplacer ça, là. Qu'est-ce qui me manque? Parce que peut-être que là, je peux traverser. Attendez, on va les planter là, pour l'instant, ceux-là. Est-ce que moi, je peux traverser ici? Non, mais tous. Voilà, restez plantés là, s'il vous plaît. Juste moi, je vais passer par là et je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Parce que je vais peut-être pas leur faire traverser l'eau. Attendez, si je les appelle, il se passe quoi? Est-ce qu'ils vont essayer de se noyer ou pas? Non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Revenez les gars. Tout le monde se place ici, on sélectionne tout le monde. Voilà. On est tous ici. Non. Restez là tous. Voilà, bien les gars. Bougez plus, j'avance. Et je sais pas être en vacances, je sais pas faire. Par mes écailles, quelle grosse peluche est-ce donc là? Tu sais, comme je t'ai dit, hier j'ai arrêté de travailler. Mais hier j'ai regardé Aquaman aussi. J'ai regardé un film et tellement tufté. Ça me dégoûte. Mes yeux! Mes yeux! Cet animal est doté d'une très belle fourrure. Mais je pense qu'elle m'irait bien. J'aurais peut-être pas dû faire ça. T'as combien de vie, dis-moi? Ouais, je lui ferai rien en dégâts. Ouais, il est pas si gentil que ça, le panda. Hein. Non, mais même, ça servira à rien, franchement. Nemesis. C'est très gentil de ta part, mais... Les
Laissons ce monstre s'alimenter, Seigneur. Il semble apprécier ces herbes hautes. Ah ah, ça passe pas par ici, hein, monsieur. Sympa qu'il y ait des passages quand même, on n'a pas le larbin. Non, non, non. Non, mais ça sert à rien, parce que même si j'étais à l'hôtel, même s'il y avait machin ou autre, en fait, je vais continuer à faire des trucs, donc... Il faut pas oublier que je fais des choses qui me plaisent à la base, donc même si je suis en vacances, en fait, je continue à faire ce que je suis en train de faire, donc... Au final... C'est pas bon, ça. Peut-être pour ça qu'il me disait de pas m'occuper de ça, en fait. Pas très malin. Donc ouais, comme je disais, en fait hier je me suis arrêté de travailler parce que j'arrivais vraiment plus à rien faire. Et j'ai regardé K2M. J'ai regardé Aquaman aussi. Mais ça je l'ai regardé, c'était dans la nuit en me levant hier. Oh, le rôdeur m'avait presque manqué. Et puis j'ai... Regardez Seigneur, au moins il n'a pas l'air de vouloir... Quand je suis allé me coucher, j'ai pris des feuilles. Et j'ai écrit des trucs, des scripts et des machins pendant que j'étais au lit, avant de dormir. Mais non. Non, il me faudrait plutôt une femme. C'est les seules fois où je m'arrête. Rappelez-vous, il y a une époque, je partais régulièrement pendant 2-3 semaines, au moins une fois par an. Et je foutais plus rien, du tout. Enfin du moins plus rien par rapport au boulot quoi. Ou du moins les activités habituelles. Y'a un panda. On va aller voir plus loin. Apparemment c'est lui qu'il faut que j'aille voir. Pourquoi? Ah non, c'est plus loin que lui. On regarde plus loin. Juste un spa. Non mais même. Ça va cogiter. Fait que passer, pardon. Les vers peuvent peut-être maîtriser la bête avec leur attaque furtive. C'est pas joyeux là ce qui est en train de se passer. Je crois que tous mes vers sont en train de crever. C'est bon, on l'a eu? On l'a eu. Ah mais il en repop à chaque fois. Bah c'est parfait ça, vous arrêtez pas les gars. Ça je prends. Je sais pas. Je crois que j'ai pas de genre en particulier en fait. C'est une histoire d'alchimie comme on dit. Y'a plus un seul panda. Ah mais c'était le même depuis tout à l'heure qu'on a affronté. Mais il s'est téléporté comment lui? Ah mais si, il est là. Il est là le panda. On a tué N+, quoi.
ça va faire mal. Punaise, j'ai l'impression qu'ils servent à rien les vers là. Tout à l'heure, ils faisaient énormément de dégâts. Et là, il en tue plus que... Quoique l'avantage, c'est que pendant qu'il s'occupe des autres, je peux m'occuper de lui. Il faudrait les bleus, là, pour réciter tout le monde. Ah, dans le dos des ennemis, d'accord, ok. Merci pour l'info. Bon, voilà, je fais comme ça, lui, même si c'est pas du tout la façon de faire la plus logique, mais... Non ! M'en fous, je t'aurai. Tiens! Par la force des choses, je t'aurai. Ça, c'est réglé. Une belle brune aux yeux bleus. Je pense... Je sais pas. Je saurais pas vous dire. Un dossier bien gardé. Bah surtout qu'il n'y a pas de règles à ce niveau-là, tu sais jamais sur quoi tu peux tomber à ce niveau-là, c'est assez... Je sais que je me répète, mais c'est la fatigue. Je veux dire, la plupart du temps que je me suis mis à craquer pour des filles, et je pense que Yuki s'en souvient, c'était des femmes que j'avais même pas remarquées à la base. C'est-à-dire, une fois, il y a une fille qui a débarqué chez moi. Je dis, mais attends, elle est dans notre classe, celle-ci? Alors que ça fait déjà plusieurs... plusieurs mois qu'on avait commencé les cours. Vous allez... Hop là. Pour moi, c'était pas vraiment une dispute. Ah, on a les nouveaux venus. A chaque fois, il me remplisse mon inventaire de petits Hugus comme ça, c'est cool. Pas du tout, je vais... Non mais Nemesis, c'est très très vieux. Encore? Il y en a encore une autre là-bas, ok. Est-ce que je serais pas mieux d'aller voir le panda qui était au bout là-bas? Ah si, j'ai un larbin. Du coup j'ai un larbin normal. J'avais pas fait gaffe. Non non, j'ai jamais été en couple. Enfin, je considère que je ne l'ai jamais été par contre. C'est pas que j'ai jamais eu de connaissances ou de... Ou de rapprochement ou autre. Machin, je me considère que j'ai jamais été en couple parce qu'il y a toujours eu des histoires, mais jamais rien de... Comment dire? Mais jamais rien qui puisse être officiel. Faut que je puisse les envoyer dans le dos des ennemis. Donc alors attendez, si on les place là. Ceux-là. Que je prenne lui. Ok. Que j'aille taper celui-ci. Que je fasse comme ceci. Voilà, et que j'attaque comme ceci. Non, 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 reviens là, reviens là, reviens là, reviens là, reviens là, reviens là. Ah, tout ce qui m'a tué. Tout ce qui m'a buté. Revenez là, les gars. Ça s'est pas très bien passé. De quoi?
Il paraît que c'est bien, ouais. Mais je dis pas que j'ai jamais rien de concret, mais c'est toujours des histoires un peu bancales ou compliquées ou... Donc c'est pour ça, c'est un peu chaud. Ah oui! Ah oui, en fait, tu les places et c'est bon, c'est réglé, quoi. Comme ils attaquent pas directement, il y a moins de défense. Vachement plus pratique. Tu peux me ramener mes... C'est bon. Donc, je sais, moi, je vois pas ça comme une engueulade. On dit merci qui? On dit merci à vous. Bon là on pourra pas les faire traverser, il y a de l'eau. Donc faut que je leur arrive à faire le tour. Et je fais la ramasse. De quoi? Non mais tu sais qu'écoute, t'es pas obligé de lui dire, hein. Moi je dirais rien, je considère que c'est ta vie privée. Ça sent pas bon. Bah, ils sont passés où tous mes vers? La déesse mère prévaudra. Ah, mais il y a plein d'araignées. Disparaissez de cet endroit sacré. Pour la déesse mère. Mangez ces vénérés. Peut-être que je serais bien de bousiller quelques petites choses parce que j'ai l'impression que les araignées débarquent en continu. Et j'ai toujours l'impression qu'elles débarquent de ces plantes là. Petite araignée, y'en a là. La déesse mère prévaudra. Les vers sont invisibles quand ils sont invisibles. Je te remercie de sortir des phrases comme il m'arrive très souvent d'en sortir. Je me sens moins seul comme ça. Bon, je pense à couper la rediffusion. D'accord, patate. D'accord, ok. De cet endroit sacré. Effectivement, c'est efficace. Je viens de comprendre. D'accord. On peut dire que la concentration n'est pas vraiment au rendez-vous, hein. Ok, j'ai compris. Ne tourmentez pas ma chère. J'ai compris, merci pour l'aide. La déesse mère prévaudra. Oh, c'est d'une efficacité quand c'est comme ça. Très très pratique, hein. Disparaissez de cet endroit sacré. On se tire les gars. J'essaie de faire revenir tout le monde, mais c'est pas très pratique, hein. J'ai l'impression qu'ils peuvent pas trop crever ici, hein, les ennemis.
c'est bon. Manger, c'est vénérer. Si vous le dites, très cher. En position. Ne tourmentez pas ma chair sacrée. Ah, mais elle est morte. Faut croire que oui. Ça, c'est fait. Il y en a une suivante là-bas. Ok. Pas grave, Elagas. Mais c'est pas grave. On va avancer petit à petit. Marcus, c'est Marcus qu'il faut remercier. On se replie avant qu'elle attaque, c'est bon. C'est bon. Oh mais ça va à une vitesse. Ah c'est bon. Ça fait plaisir. Non mon ami, on a Michel et Michel nous. Belagast. Non, j'ai pas dit que c'était le patron. Non mais oh, faut pas tout confondre. J'aime bien pouvoir récupérer ça, mais j'ai l'impression que je pourrais jamais le faire. Tempi. J'en ai pas perdu puisque là c'est bon. Vous pouvez mettre ça s'il vous plaît. Merci. Voilà, ça c'est bon. Et hop, 4 éléments. Je sais même plus que c'est. Je crois que c'est pour améliorer, non? Il me semble, je ne sais plus. Par contre, faudrait, je pense, à faire une coupure de rediffusion quand même. Ramenez-leur pour le maître, s'il vous plaît. Allez hop, un de plus. Parfait. J'ai les araignées. C'est ça. Michel et Michel. Non, non, c'est Michel avec des L E pour le coup. C'était plus joli que Jackie et Jackie. Mais c'est vrai que Michel et Michel, ça me dit quelque chose. Non, mais je crois pas qu'elle soit là. Michel. Alors la deuxième, c'est sûr, elle est pas là, mais il y a Michel et Michel, normalement. Quelquefois, vous avez une Michel qui passe. Lui, il est coincé dans le décor, c'est pas grave pour lui. Puis en plus, vous posez la question de savoir qui me plaît, mais ou quel mon type de femme, mais... Je vous avais dit que je craquais aussi pour Yuni il y a pas si longtemps. Enfin, Yuni. Hein. Vous savez, je trouve qu'elle est très agréable comme fille. Pour le peu que, qu'on ait pu voir, quoi. Est-ce que c'est pas le dernier, celui-ci, qui nous manquait?
Et bah c'est 10 sur 10, c'est bon. On récupère un petit peu de ressources. On les a tous. Un K2M qui fail. Encore? Oui, non, mais j'ai compris qu'après, K2. Les Inco-trailers. Avec Kiaru Pam... Non, Kari, comment elle s'appelle? Ah, Pam... Ah, je sais plus comment elle s'appelait. Kiaru Pami... Pami... Pamo? T'avais fait les clips. Enfin! Tirez-moi tout ça, bande de larves! Non. Ah, mais ils sont tous morts! Ok, les os sont tous noyés. Non, c'est vrai? Sérieux? Coucou Isa, ça va mieux? Alors attendez, on a combien de verres là? On a beaucoup de verres. Je crois pas qu'on ait besoin d'autant. On me trompe de touche encore. Ah, je peux pas les renvoyer par contre ceux-là. Donc on va prendre 5. On va prendre quelques rouges quand même au cas où. Bah moi vous me voyez au réveil de toute façon, hein. C'est-à-dire que je suis, en général quand je démarre le live, je me suis vu il y a quoi, 10-15 minutes avant. Donc vous me voyez au réveil. Ils rentrent à toi quand ils sont bloqués trop longtemps, d'accord patate, nickel. C'est évident d'avoir l'impression, ouais mais si je pense qu'ils sont morts en fait. C'est à un moment j'ai essayé d'appeler tout le monde je crois. Quoique, attends, on a ramassé 3 Gugus, il y en a que 2 qui sont armés donc ils sont plus qu'ils soient rentrés, ouais. Les Inco-trailers, oui. À une époque, K2M s'amusait à faire comme Michel et Michel sur Allociné, c'est-à-dire qu'il il cherchait les incohérences dans les clips, dans les vidéos qu'on faisait, ou ce genre de choses, quoi. Salut Niamor. Comment vas-tu? Inco Trailer 3 a été bloqué par Dailymotion? Ou par YouTube? Moui. C'est pas joyeux du coup. Bonne nuit, Yukiko. Fais de beaux rêves, prends soin de toi. Et à la prochaine. Bon, du coup, on va couper la rediffusion ici. Merci d'être passé. Faut raccorder le ciné, c'est ça, voilà. Sur YouTube, ok. Mais elles sont toujours disponibles sur Dailymotion, non? Bref, on va couper la rediffusion ici. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappecjeux.fr et passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous et à ciao tout le monde. A tout de suite. Winslock, tu fais une vraie clipette. Oh, c'est beau. Allez, à tout de suite. Pum 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 p